ん Bonjour à Borel Kamdem, bonjour à Marthe Victoire, bonjour à Marès Perrin, bon arrivée, bonjour à Inès Anga Engana Engana ça c'est Banen, bonjour à Marcel Monra, bonjour à Marcel Monra. Euh, bon, là, Marcel Morala, ça c'est un féticheur. On va le bannir tout à l'heure. Bonjour à Kedem Donald. Bonjour à Ghislaine Walla. Bonjour à Frédérica Gloria. Euh, bonjour à Yvan Mangel. Bonne arrivée, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très belle journée avec le Saint-Esprit, en compagnie du Saint-Esprit. Bonjour à Stel Ndjoken, à Tuesco Stars. Bonjour, bon arrivé à vous. Bonjour à Droubli Larissa Roman. Waouh, ça c'est extraordinaire. Bonjour à Dongon Ndongo. Bonjour à Ghislaine Twente. Amgaka à Mgaka Bonjour à Mary Love KM, ça c'est extraordinaire. Bonjour à Eugénie cum. Bonjour à Orlan Ebele. Euh... Bonjour à Auguste Lamsi Lamsikreo. Waouh! Les noms, si quand tu n'as pas bien prié, on va t'attraper avec les noms a nos abonnés. C'est un forum pour les personnes ouintes par des noms ouin. Donc, lorsque vous lisez le là si vous n'avez pas bien prié la nuit, on saura que vous n'avez pas bien prié la nuit. Donc, bonjour à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Bonjour à Lucha Duran, des personnes fidèles. Bienvenue à notre, dans notre église virtuelle, la REMA Facebook Church. Bonjour à Paul Matongo. Merci. Olga Jean Welcome, we love you in Jesus name. Partageons la vidéo sur si maximum, partageons cette vidéo au maximum. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous. C'est un travail d'évangélisation que nous faisons chacun, apporte sa contribution. Et nous allons parler de quelque chose de très sérieux ce matin. Le jour où j'ai failli me suicider, Mmh, prophète, euh, prophète Steve Gaffa. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous les hommes de Dieu qui sont là. Prophète quoi? Baudras. waouh, ça fait longtemps. Bonjour Yvan Mangele. Qui dit, vous avez prié pour mon ministère, les choses ont changé. Oui, nous bénissons Dieu pour cela. Vous êtes très nombreux. Parfois, il y a un jeune homme de Dieu qui me qui me stoppe en route, qui dit, ah papa, vraiment, j'étais à la conférence des hommes de Dieu, et puis euh, j'étais béni, vous avez prié pour moi, depuis mes yeux se sont ouverts, maintenant je prophétise en désordre. Et je bénis Dieu pour cela, je bénis Dieu pour la jeune génération qui est en train de venir, nous sommes en train de déblayer le chemin pour vous. Je pense que quand le temps sera arrivé, euh, vous allez jouir de la terre fertile, parce que nous versons de l'engrais, partout nous passons. Où nous terrassons les forteresses qui régissent à l'évangile au Cameroun. Nous, nous battons pour cela comme des soldats sacrifiés. Nous sommes la génération sacrifiée. Donc voilà. Bonjour à Dorian. Euh, ma voix depuis Moscou. Waouh, c'est Vladimir Poutine. Nous vous disons merci pour votre confiance renouvelée. Donc bonjour à Francis Roger qui dit bonjour mon prophète à moi. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de nous battre dans ces générations pour amener l'évangile à atteindre des sommets euh, qui n'ont pas encore été atteints dans ces générations. Donc, c'est un travail solide que nous sommes en train de faire, un travail bien ciblé, stratégique. Et pour cela, la géostratégie nous a été enseignée par le Saint-Esprit. Nous sommes au pied de guerre et nous nous battons, comme le dit l'adage en hébreu Nafthule Elohim niftal J'ai combattu les combats d'Elohim. Donc, c'est ce que nous faisons par la grâce de Jésus-Christ. Donc, je disais qu'il y a une génération montante qui est en train de venir, une jeune génération montante qui est en train de venir. Nous le savons, nous la voyons monter, voyons sa passion pour Christ. Et cette nuit, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a amené dans une vision où j'ai vu l'un de ces jeunes de la génération montante. Et Dieu m'a monté une belle vision sur ce jeune homme de Dieu qui est l'un de mes fils. Et je lui fais un message inbox pour lui dire ce qui devrait arriver. Et je vous assure que c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans la vision, laissez-moi vous expliquer ça au moins pour que ça puisse servir de témoignage que Dieu nous parle et nous annonce les choses qui doivent arriver. Donc, dans cette vision, j'ai courageé ce jeune homme, ce jeune serviteur de Dieu, c'est un jeune prophète, il a Yaoundé, et il avait deux voitures. Donc moi j'avais une très grosse voiture. Il avait deux voitures. Deux voitures qui n'étaient pas grosses comme la mienne. Mais il avait deux voitures. Très belles, très jolies, très glorieuses. C'était de très belles voitures. Mais seulement c'était des voitures qui n'étaient pas autant grosses que celles que j'avais. Mais la particularité de ces deux voitures, c'était quoi C'était que ces deux voitures... C'était une marque unique, une marque à part. Elle était à part, cette marque. Et c'était deux voitures qui étaient négligées. Donc le jeune prophète a récupéré, on a rénové ces voitures. Et les voitures étaient d'une beauté extraordinaire. Donc ce pas des voitures... Ça dit que ce n'était pas gros comme celles que j'avais... Mais la particularité de ces voitures, c'est que les deux voitures, là, étaient les dernières. Et il n'y en avait plus ailleurs. On ne peut pas retrouver ces voitures ailleurs. Et elles étaient tellement belles que moi-même, je les ai aimées dans la vision. Et je lui ai demandé que la marque de voiture, si c'est quoi. Mais c'était des voitures qui avaient une marque. Ce C'était pas les marques que nous connaissions. C'était une marque spéciale, unique. Une marque qu'on ne voyait pas ailleurs. Et les deux voitures, on ne les retrouvait pas ailleurs. C'était les deux. Ils possédaient les seules deux voitures de cette marque unique. Et donc, je lui ai dit que je voulais avoir aussi une de ces voitures là, mais la société qui les produisait c'était les deux dernières voitures. Donc, ce qui faisait l'unicité ou bien l'exceptionnel de cette voiture là, c'est qu'elle n'était pas répandue. Elle n'était pas plus grosse que la mienne, mais elle n'était pas répandue. Elle était spéciale. Elle était unique dans leur genre. On n'en trouvait pas ailleurs. Et c'était la possession de ce jeune prophète. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une grâce qu'il portera, une grâce spéciale, une grâce unique dans son genre Une grâce qui soit, une grâce qui ouvre une nouvelle ère généalogique prophétique. Donc, les jeunes hommes de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur, avec ambition, des ambitions probes et claires, pas floues, pas ceux qui réfléchissent en termes d'argent, parlant du ministère. Non, vraiment, si j'ai 100 brebis, Chacun donne 1000 francs, ça me fait 100 000 le mois. Je pourrais envoyer des enfants à l'école, on va payer le loyer et on pourra manger bien. Non, ceux qui réfléchissent comme ça ont déjà échoué dans le ministère. Mais Dieu est en train de réserver. Ça à dire qu'il y a, comment je vais dire ça, une espèce, une nouvelle espèce de prophète que Dieu est en train de susciter parmi nos fils. Dieu leur donnera une notion, une notion différente de celle que nous manifestons. Ça veut dire que sur le plan prophétique déjà, sur le plan des guérisons, sur le plan des opérations de l'esprit, Dieu vous amènera très loin. Pour ceux dont l'ambition la, est pure devant Dieu, pour ceux dont l'ambition est claire, c'est-à-dire que les motivations sont, sont claires. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et je sais quand Dieu me parle. C'est un mystère. Je je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire ça que le rêve, je vis encore dans ce rêve jusqu'à présent. C'est le rêve qui m'a rêvé après ma prière. De, de minuit mais sur, à minuit, là il fallait prier tôt, je me suis rendu à 4h du matin, c'est vers 6h que j'ai cette vision, 6h heures, 7h. Heures. Il y a une grâce, c'est une notion, c'est-à-dire c'est une, une notion rare, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore vu. Et Dieu va donner ça à cette génération qui est en train de nous suivre, celles qui suivent nos pas. Les jeunes hommes de Dieu, les jeunes euh, servantes de Dieu qui nous suivent et qui ont les yeux rivés sur Christ. Les yeux rivés euh, sur le manteau que Dieu nous a donné. Nous sommes en train de frayer le chemin pour une nouvelle génération qui viendra avec des marques d'onction qui ne sont pas répandues, qu'on cherchera sans trouver ailleurs. Ça arrivera. Donc, beaucoup de courage à la jeune génération. Même quand c'est difficile, lorsque tu sens que c'est compliqué, les gens ne te suivent pas, tu comprends pas, est-ce que Dieu m'a appelé, est-ce que Dieu ne m'a pas appelé, les choses sont compliquées. Non, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Ne vous fiez pas au nombre de personnes que vous rassemblez pour le moment. Non, non, c'est une grande révélation que je vous donne. Ne vous fiez pas, ça n'a rien à voir. Quand l'explosion viendra, vous ne comprendrez rien. Vous vous demanderez que les gens étaient où. Vous rassemblerez plus de monde que nous. Ça, je vous dis la vérité. Moi, j'ai envié la voiture de ce jeune homme. Ce jeune homme représente une nouvelle génération d'hommes de Dieu, celle qui nous suit, celle qui va nous, euh, qui va, euh, nous succéder. Ils représentent toute une génération d'hommes de Dieu qui ont une ambition claire, propre pour Jésus. Ils ne sont pas là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour la gloire. Ils ne sont pas là pour le bien matériel. Ils ne sont pas là parce que ils veulent sortir de la pauvreté. Ils veulent voir le royaume de Christ avancer. Je parle à ceux-là. C'est de ceux-là dont il est question dans cette vision. À eux, le Seigneur leur donnera une grâce, L'onction que nous portons. C'est un acquis. Dieu nous a donné cela. C'est un héritage. Mais Dieu vous réserve quelque chose. Quelque chose, euh, comment je vais dire ça Laisse, Laissez-moi expliquer un peu ça. Ça veut dire que dans la vision, c'est un peu comme si j'avais une Land Cruiser. J'avais une Land Cruiser. Vous savez que c'est un SUV, un SUV est, 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 remarquable et respectable. J'avais une Land Cruiser. Et la voiture, les deux voitures que le jeune homme avait, ce n'était pas des Land Cruiser. C'était moins grand que la Land Cruiser. Mais seulement, c'était une marque qu'on ne retrouvait pas. Tout le monde passe, c'était la Land Cruiser. On peut voir d'autres Land Cruiser en roulant, on croisait des Land Cruiser. Mais cette voiture-là, ces deux voitures, on n'en croisait plus. Hors série. Dernière de leur série. Et Dieu m'a dit, c'est l'onction et la grâce qui va répandre sur la nouvelle génération, celle qui est en train de nous suivre. Donc Dieu fera des choses, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, des choses qui ne sont pas répandues ailleurs. Non, Dieu le fera. Ça, je vous dis la vérité. Donc, et je lui ai dit dans le message qu'il faut qu'il se purifie et qu'il se sanctifie davantage. Parce que je vous ai dit que la puissance d'un homme de Dieu, c'est la sanctification et la consécration. Vous savez qu'il y a des gens, et mon fils tout à l'heure, lorsqu'on allait voir le, 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 le terrain, il me racontait que les gens de la ville de Berthois disent que non, euh, vraiment. Euh, quand j'arrive dans, dans la ville, on dit que ah, le prophète sorcier, il est déjà encore là. Pourquoi Parce que les gens ne comprennent pas comment quelqu'un peut parler de la vie des autres sans être membre de leur famille ou bien sans être dans leur cercle rapproché. Les gens ne comprennent pas ce mystère. Et donc pour eux, c'est la sorcellerie. Vous voyez. Donc ils euh, confondent ça à la sorcellerie. C'est normal. Pensez que c'est la sorcellerie. Mais ce manteau que nous portons, cette grâce que nous portons dans les vases de terre, n'a rien à voir avec la gloire des jeunes serviteurs de Dieu qui ont soif de voir l'évangile de Christ avancer. C'est-à-dire qu'ils qui n'ont pour motivation que d'élargir les bornes du royaume de Christ. Je vous dis la vérité. À travers eux, nous verrons des choses et nous serons dans la joie. Et ma prière, c'est que je vois ces choses avant ma mort. C'est ça ma prière. Je prie tellement pour ces jeunes qui sont derrière moi, derrière nous, parce que nous sommes, nous sommes nombreux. Je prie tellement pour eux. Et tellement, j'ai prié, j'ai pleuré pour la jeune génération, pour la génération montante. Parfois, je regarde sur Facebook, je zappe, je regarde ce que tel fait, je vois ce que tel fait, je vois leurs efforts en termes de prophétie, d'enseignement, en termes d'excellence dans le ministère, en termes de communication, d'efforts sur Facebook. D'organisation, de programmes, de rassemblement entre fils, et je pense que c'est un bel exemple. Et je crois aussi quelque part que par la grâce de Dieu, mon union avec les quatre forgerons, ça veut dire que le prophète Ndefo, le prophète Leslie Samuel, le prophète Nanti Samuel, ça a été emblématique pour l'église de Dieu, au Cameroun d'abord, en Afrique et dans le monde entier. Ça a été emblématique. Parce qu'il faut comprendre que. Que ce soit le prophète ou le prophète Leslie, le prophète Lonti ou bien moi-même, nous sommes des montagnes. On est des montagnes. Des montagnes, des montagnes pas interdépendantes. Non, des montagnes indépendantes et non pas interdépendantes. Chacun de nous fonctionne par le fuel ou l'essence que Dieu lui a donné. Chacun a une provision qui lui permette de vivre sans avoir besoin de l'autre. C'est ça la vérité. Mais cependant, le Seigneur nous a montré la valeur de l'unité. L'unité est une force à part. L'unité est une puissance. L'unité, pour parvenir, pour voir des montagnes, de grandes montagnes, venir ensemble, il faut comprendre, bien aimé, que le déplacement des montagnes produit des séismes, des tremblements de terre, et peut aller jusqu'à produire des phénomènes volcaniques. C'est pour cela qu'au début de notre union, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des volcans, il y a eu des volcans, il y a eu des séismes. Ça veut dire des séismes dont la magnitude ne pouvait pas être mesurée. Il y a eu des divisions, il y a eu des déchirements, il y a eu des unités, il y a eu des désunions, il y a eu des ententes, il y a eu des mésententes, il y a eu des alliances, il y a aussi eu des séparations. Ça causait le chaos. Ça a été une occasion de chute pour plusieurs, et une occasion de relèvement pour plusieurs aussi. Donc, pour voir des montagnes comme celle-là venir ensemble, s'unir pour défendre une seule cause sans aucune mauvaise ambition derrière, cest veut dire que dans l'unité d'esprit, dans une amitié vraie et sincère, dans une fraternité sans hypocrisie, c'est de ça qu'il est donc question. Et la jeune génération qui est en train de nous suivre doit... Elle aussi suivra ce modèle. Vous devez être unis. Et je bénis Dieu lorsque je vois les filles s'unir dans des programmes. Et je pense que euh, notre initiative vous a montré qu'on n'est pas des ennemis. Non, non, vous n'êtes pas ennemis. Nous avons un seul Seigneur, une seule maison, l'Église de Jésus-Christ. On a une seule cause à défendre, voir avancer l'œuvre de Jésus-Christ dans notre nation et partout où nous sommes établis en tant que peuple de Dieu. Et je crois que cette unité a aussi fait en sorte que nos brebis puissent être unis. Il n'y a plus de différence entre nos brebis et nos fils. Tous maintenant comprennent que si les pères sont unis, nous sommes obligés d'être unis. Et c'est un coup fatal qui a été porté à Satan et aux ennemis de l'Église de Dieu au Cameroun. C'est un exemple. Nous ouvrons un chemin pour la génération montante. Elle doit regarder cela et comprendre que la complémentarité est fondamentale si l'église de Dieu veut devenir puissante. Il faut que l'église de Dieu puisse avoir une voix. Nous devons commencer par l'unité. La complémentarité dans l'unité. Et pour y parvenir, je vous dis la vérité, nous avons payé un prix fort. On a payé un prix fort. J'ai discuté avec Ophel Lefort. On a partagé sur cela. Sincèrement, il y a des gens qui m'ont quitté parce que je me suis associé. À lui, ou bien Long, si, au prophète Londres, ou bien au prophète Leslie. Mais il faut comprendre qu'à un certain niveau, euh, l'intérêt de Christ doit passer avant nos intérêts personnels. Donc j'ai préféré sacrifier certaines relations pour l'unité de tous, l'unité du corps de Christ. Et les autres aussi se sont retrouvés dans la même situation. Donc parfois, il faut transcender son orgueil il faut transcender notre vision personnelle il faut transcender nos intérêts personnels. Parfois, il faut transcender même la conviction de certaines personnes qui nous accompagnent pour l'unité du corps de Christ, pour l'intérêt général, l'intérêt de l'Église. On n'est pas ennemis. Il faut qu'on s'unisse donc pour la cause de Christ, on doit s'unir. Donc je prie que le Seigneur accorde à ces jeunes générations beaucoup de sagesse et d'humilité. Vous devez savoir que pour venir ensemble comme nous le faisons c'est un signe de beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup, beaucoup d'humilité pour venir ensemble. Il faut beaucoup d'humilité. Donc, je pense que l'unité de l'Église devrait être la responsabilité de chacun d'entre nous. Chacun devrait payer le prix. Payer le prix pour que l'Église soit unie. Que vous soyez brebis ou que vous soyez un berger, nous devons payer le prix pour que l'Église soit unie. Abandonner notre altruisme, notre égocentrisme. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, je vous en prie, parce que vous savez que nos vidéos sont tellement combattues ces derniers temps aussi là. Envoyons des cœurs. Donc nous avons besoin de cela. L'Église doit se lever et la jeune génération doit aussi se lever. Donc je disais que nous sommes de la génération sacrifiée. Nous enseignons. Nous attaquons des combats que beaucoup de nos aînés ont refusé d'attaquer. Nous affrontons des forteresses qui sont restées, ça veut dire que vadrouillantes dans l'église, libres dans l'église, faisant du mal à l'église, mais que personne n'a voulu affronter. Voilà pourquoi je dis encore que nous sommes de la génération sacrifiée. Nous affrontons l'inaffrontable. Nous nous opposons à ce à quoi personne ne s'est opposé dans l'église. Nous nous attaquons à des sujets tabous, des sujets que d'autres ont, ont évacués en évitant, parce qu'ils ne voulaient pas mettre en cause leur image, ils ne voulaient pas se mettre en mal face à, à, à l'opinion publique. Mais nous nous attaquons à ces problèmes, à des sujets tabous, des sujets hypersensibles, qui parfois peuvent mettre même en jeu notre réputation personnelle. Mais on s'en fout de notre réputation. Nous voulons que le nom de Christ soit établi comme un étendard et que la vérité soit rétablie. Nous voulons que le vrai fondement des apôtres et des prophètes puisse être rétabli. Que le faux fondement qui a été établi puisse être brisé. C'est ça la vérité. Donc nous devons être conscients. Et la jeune génération qui monte doit être consciente. Mettez les intérêts de Christ au-delà de vos intérêts personnels. Mettez l'argent de côté. Ne faites pas le ministère parce que vous voulez l'argent. Sinon, l'argent va vous fuir. L'argent va vous fuir. L'argent vous suivra si vous cherchez la volonté de Dieu. L'argent vous suivra. Les gens vous béniront. Nous sommes arrivés dans la ville de Berthois. Et depuis que nous faisons le ministère, moi, je n'ai jamais vu euh, les gens nous offrir les terrains. Vrai, vrai. Mais à Berthois, les gens se sont bousculés pour nous offrir des terrains. Beaucoup de terrain, beaucoup de personnes. Et je crois que ce n'est pas encore fini. Et on va faire, on va construire, on va faire des écoles, on va construire des hôpitaux, on va avoir des grands projets dans cette ville. Nous allons beaucoup investir dans le développement de la ville de Bertois. Pourquoi Parce que les gens ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu. Il y a beaucoup de personnes qui, des papas, des mamans, qui étaient venus à l'église étant complètement malades, finis. Complètement malades. Qui savaient que leur mort était prochaine. Mais en assistant à nos cultes, le Seigneur les a rétablis. Je connais un papa euh, qui m'a rendu témoignage qu'il était mourant. Avant d'arriver à Réma, il était mourant. Il, était, il savait que c'était fini. Il n'avait plus d'ongles. Les ongles ont poussé. Ses ongles ont poussé. En quelque temps où il est venu à Réma, ses ongles ont poussé. Et il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire pour l'église. Il a offert 2000 mètres carrés à l'église. Vous voyez. Donc, et, et, il, faut, il faut comprendre que l'œuvre que nous faisons, c'est pour établir la gloire de Jésus. Nous bénissons le peuple. Nous apportons la grâce de Dieu au milieu du peuple. La sécurité divine. La santé divine. La prospérité selon Dieu. Nous faisons ces choses à cause du mandat que le Seigneur nous a donné. Et je prie qu'un esprit de vision soit donné à la jeune génération. Que Dieu fasse de vous des pionniers. Que votre vision soit pure. Que vos intérêts soient justifiés et soient pour la seule gloire de Jésus-Christ. Donc c'est ça. Donc je bénis le Seigneur. Nous, nous avons pris le terrain. Nous sommes partis là-bas, on a pris le terrain où nous étions. C'est un vaste domaine où nous étions hier. Mais seulement nous avons eu un problème là-bas. Le problème là-bas, c'était quoi C'est que pour quitter d'ici là-bas, c'est très très enclavé. C'est tellement enclavé, vous voyez. C'est vraiment enclavé. Et pour y arriver, c'est difficile. Et après, il n'y a pas d'électricité de, de là-bas, il n'y a pas de lumière. Et après cela, après le culte, à 20h ou 19h45 ou 30, il n'y a pas de moto. Donc, c'est la nuit et c'est noir. Pour que les gens sortent, ça sera très compliqué. Donc, nous sommes allés où vous m'avez vu euh, tout à l'heure. Euh, c'est toujours une autre possession de l'église. Vous voyez L'église de Bertha est plus riche en terrain que l'église de Yaoundé et que toutes les églises du Cameroun. C'est ça la vérité. C'est à Nuremberg, en Allemagne, que je suis en train de réfléchir avec notre pasteur là-bas pour acheter un terrain pour l'église. Donc, on va essayer de finaliser euh, les transactions. On va acheter le terrain là-bas en Allemagne. On va construire l'église de Nuremberg là-bas. Mais à Berthon, on a assez de terrain. Donc, nous sommes allés tout à l'heure là. Euh, J'ai oublié le nom du quartier. Euh, désolé. Donc, c'est vers Bonis là-bas. C'est vers Bonis. C'est pas loin du camp de la CMCI. C'est vers Bonis. Donc, quand vous allez jusqu'à Ogoudron là, vous ne prenez pas à gauche la route qui mène vers Yaoundé. Vous continuez. Voilà, vous continuez tout droit. Il y a le goudron qui continue là. Après la barrière à droite, l'église sera là-bas. Après la barrière, donc c'est pas loin du goudron, vous voyez. Et la route elle est large. L'église est juste en route même. C'est là que j'ai décidé que nous allons implanter l'église. C'est vrai que le terrain là-bas c'est pas un grand domaine comme le, comme euh, sur le terrain d'hier, mais c'est aussi un vaste terrain, un très vaste terrain où nous allons établir une très très grande chapelle. Donc, j'ai demandé que les travaux commencent demain. Tous nos bien-aimés qui se sont mobilisés hier, mon âme, béni le Seigneur, pour cet engouement. L'église a besoin des gens qui ont la passion pour Dieu. Quand j'ai fait l'appel au travail, les gens se sont mobilisés. Les mamans, les frères, les jeunes, les vieilles personnes, tout le monde s'est mobilisé. Berthe est une église extraordinaire. Je vous dis la vérité. C'est une église qui m'encourage à investir. Même si ça va prendre combien de millions, nous allons investir. On va construire une bonne église pour Bertois. Vous voyez. Donc, maintenant, je fais encore cet appel à tous les techniciens. Vous êtes techniciens, vous ne manquez pas au culte de ce soir. Demain à 8h, nous serons là-bas, vers Bonis, là-bas, après Bonis, là-bas. Nous serons là, nous tous. On va travailler, comme c'est un terrain plat. On va défricher, nettoyer. Nettoyer ça bien. Le directeur général de mission est là, je l'ai dépêché avec l'ambassadeur général. Ils sont dans la ville. Donc, ils vont superviser les travaux. Dimanche, nous allons faire culte là-bas. On va avoir des groupes électrogènes. On va mettre la lumière là-bas. On va installer la lumière. Le pasteur va travailler pour cela. On va mettre la lumière. On va faire le culte là-bas dimanche soir. On fera culte là-bas. Par la grâce de Dieu. Et la semaine d'après, nous allons lancer le hangar. On va faire les hangars d'abord. Et on va toller rapidement. Quand on aura tollé, maintenant, on va mettre les parpaings. On va élever les murs. Et rapidement, on va travailler ce sol-là. On va construire cette chapelle. Ma prière, c'est avant le 31 décembre, que j'inaugure la chapelle de Berthois, qu'on ait à inaugurer cette chapelle-là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons nous concentrer sur les travaux de la chapelle de Berthois. Donc, je veux en appeler comme ça à toute la population, à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui sont amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez donc pas. Demain, 8 heures, nous serons là-bas, du côté de Bonis. Vous voilà, voyez le carrefour là, je vais vous donner plus d'amples explications lors du culte ce soir. Tout droit, le goudron qui va tout droit, ça va vers... Il euh, y a une ville là où on prend le train. Voilà. Donc, euh, sur cette route là, après la barrière, après la deuxième barrière, juste après la deuxième barrière à droite, l'église est là, c'est presque en route. C'est à côté du goudron. Vous voyez, c'est à côté du goudron. Donc, et j'ai pris la mesure. J'ai pris la mesure. Nous allons prendre des mesures bien, de bonnes mesures. On va louer des bûches qu'on va mettre à la disposition des populations hébertoises. De Tous les dimanches soirs, on va louer les bûches. Des bûches qui vont transporter les gens gratuitement. Le long de la ville, de la sortie de la ville de l'autre côté, pour vous amener jusqu'à l'église, devant l'église même, gratuitement, comme j'ai fait à Yaoundé. On va vous porter les dimanches soirs. Vous venez pour le culte. Il n'y a pas de problème. Nous allons mettre les bouchées doubles pour que la ville de Berthois soit bénie. Et que la main de Dieu puisse s'abaisser encore avec puissance dans la ville de Berthois. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires dans cette ville. Des miracles extraordinaires. Et cela vient de l'ouverture du cœur de la ville, de la population. des gens soivent de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Qu'il soit béni. Qu'il soit glorifié dans son âge, âge. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Donc, voilà l'œuvre que nous voulons faire pour Dieu. Je pense que c'est de ça que je parle lorsque je dis il faut être des pionniers. Il faut avoir un esprit pionnier. Il faut investir pour Dieu. À Yaoundé, nous avons construit, une... nous bénissons Dieu, une chapelle qui ferme la bouche à nos détracteurs. Pour que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de s'amuser. C'est très sérieux. L'œuvre que nous portons ici, si, c'est une œuvre éternelle. C'est une œuvre qui restera. Donc, je voudrais vous demander à tout le monde, mobilisons-nous pour voir avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, je voudrais revenir rapidement sur le thème. Le jour où j'ai failli me suicider. Vous voyez, parfois lorsque vous voyez quelqu'un, vous ne pouvez pas connaître son histoire. Et c'est important de temps en temps de répéter notre histoire pour permettre aux gens de comprendre d'où nous venons. Permettre aux gens de comprendre par où nous sommes passés. Ce que Dieu a fait de nous. Lorsque vous voyez... Euh, une belle maison comme celle-ci où je suis, un joli hôtel comme celui-ci, vous admirez juste les murs, vous admirez l'investissement de celui qui a fait cela. Vous regardez comment c'est joli, c'est beau, le cadre, il est jovial, convivial. Et vous admirez, mais vous ne comprenez pas que pour que la maison soit belle comme ça, il a les parpaings qui viennent de quelque part. Les parpaings là ont été pressés. Le parpaing qui est en joli et en joli cette maison a une grande histoire. Une histoire qui a commencé d'abord dans un fleuve, délivré des eaux etc. Ramené dans une fabrique et puis plié dans le moule, cogné, frappé, maçonné et puis séché comme ça au soleil, livré aux intempéries. Et c'est après cela. Que ce parpaing vient bâtir un bel édifice comme celui-ci, on convainc l'édifice, mais on ne comprend pas la souffrance que le parpaing a, le parcours de souffrance que le parpaing a enduré pour venir bâtir un édifice comme celui-ci. Donc parfois nous, nous regardons juste la gloire des édifices, mais nous ne lisons pas l'histoire, l'histoire des éléments qui ont constitué ces édifices-là. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsque Dieu appelle des gens, appelle un homme ou une femme. Il prend le temps, dans le secret d'abord, de préparer la personne. Vous comprenez? Il prépare ces personnes. Il les prépare d'abord, dans le secret. Dieu te traite bien. Dieu te fait souffrir. Dieu te fait endurer des choses qui parfois peuvent t'amener même à douter si Dieu t'a appelé ou pas, si Dieu existe ou pas. Dieu t'amène dans les profondeurs des entrailles des enfers pour que ta foi soit purifiée, pour que ton cœur soit purifié et débarrassé de toute forme de souillure. Dieu t'écrase, il te moule bien. Et le jour où Dieu t'expose, les gens verront juste ce que tu as exposé. Mais ils ne comprendront pas qu'avant l'exposition là, les années même de ta préparation peut-être seront plus longues que les années de ton exposition. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de jeunes pasteurs et c'est peut de jeux commettre aujourd'hui. Lorsqu'ils voient les aînés comme nous, euh, aujourd'hui, réaliser certaines choses, ils se disent que, ils se, ils se disent que non, oh, oh, je peux le faire rapidement moi aussi, je peux le faire aujourd'hui, demain, après, demain, tout au plus. Je pourrais aussi faire des choses comme cela. Non Non, mes amis Non 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 Avant que j'arrive ici, c'est près de 30 ans, hein, 30 ans de marche avec Dieu. Je suis jeune. Mais je suis un vieux dans les choses de l'esprit. Près de 30 ans de marche avec Jésus. 1994. Nous sommes en 2001. 2002-2003. Donc 27 ans. 27 ans d'expérience. 27 ans. Maintenant, dans les 27 ans, il y a 7 ans de ministère. Donc 20 ans de ma vie, Dieu m'a éprouvé. Dieu m'a préparé pendant 20 ans. Dieu m'a préparé. Dieu m'a fait voir de toutes les couleurs. J'ai traversé des moments compliqués dans ma foi, dans ma marche avec Dieu, où je me suis demandé que est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu qui m'avait parlé Le Seigneur m'avait dit clairement, je te donnerai une radio, des télé, tu vas investir, tu vas construire des églises, tu iras dans d'autres nations. Ça dit que les promesses de Dieu sont tellement belles. Lorsqu'il vous dit, Et Dieu dit à Abraham que non, je donnerai le territoire comme ça, ça sera comme ça, c'est tellement joli. Mais pour quitter donc de la Mésopotamie, pour arriver à Canaan, c'est ça le problème. Dieu ne vous dit pas ce que vous allez endurer. Mais c'est ça le problème. Dieu dit à Moïse tu vas délivrer le peuple. Mais il ne lui parle pas de il va traverser le nil avec tous les crocodiles qu'il y a dedans. C'est ça Dieu. Dieu te fait traverser le nil. Et on l'appelle Moïse Moshe. En hébreu qui veut dire celui qui a vaincu les eaux. Pourquoi Parce que les eaux du Nil sont les eaux où il y a les plus gros caïmans au monde. Les plus grands caïmans du monde. Les plus grands crocodiles. C'est au Nil, dans le Nil. Hein? Dans le Nil. Il faut que les gens comprennent cela. Mais ce jeune homme, il a traversé le Nil dans un panier où les crocodiles sentaient l'odeur de son corps. Mais cependant, aucun crocodile ne l'a touché. Il a vaincu les eaux, les esprits des eaux. Il a commandé, ça veut dire que c'est qui faisait la force de l'Égypte. Oh Seigneur, aide-nous. Ce qui faisait la puissance de l'Égypte, c'était le Nil. Toute la puissance maléfique et mystique des pharaons, c'était le Nil. Et les crocodiles du Nil étaient déifiés et vénérés. C'est pour cela qu'il fallait que Moïse passât par le Nil, qu'il vainquît les divinités du Nil, les principautés du Nil. Le jour-là, Moïse avait déjà conquis l'Égypte. Il était vainqueur. C'est ça que les gens doivent comprendre. Pourquoi Parce que en fait, la bataille de l'Égypte était une bataille des eaux. C'était une bataille contre les forces des eaux. C'est pour cela que tous les, tous les animaux qui sont sortis là, les grenouilles, tout ça, ça sortait des eaux. Les moustiques et tout ça, les insectes venimeux, ça sortait des eaux. C'est le Nil qui vomissait toutes ces choses. Il fallait que Moïse prenne contrôle sur les eaux du Nil. Quand il change les eaux du Nil en sang. Pour vous, c'était quoi Le sang, c'était le symbole, sur le plan de la typologie, du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu, c'était le sang de Christ qui venait purifier les eaux du Nil et conquérir le Nil. Ça veut dire que Jésus-Christ avait été établi roi sur toutes les eaux de l'Égypte, sur les eaux du Nil. Lorsque Moïse, son bâton devient le sang, le bâton et le sang, c'est la même personne. Le bâton et le sang, dans euh, les, les, les mystères prophétiques, c'est la même personne. Jésus dit, je suis le cèpe, et vous êtes les sarments. Je suis le cèpe, vous êtes le sarment. Le cèpe, c'est le bois. Le bâton, c'est un bois. C'était une typologie de Jésus. Donc, l'éternel, le ministère de Moïse, était appuyé sur Christ, qui est le cèpe. Et nous sommes les sarments. Vous voyez Il tenait le cèpe en main. Son ministère avait la victoire parce que Moïse était inspiré, soutenu par le cèpe qui est Jésus. Maintenant, il met le cèpe dans l'eau et le cèpe dégage du sang qui est le sang de la croix. Le cèpe, le bois de Moïse, le bâton de Moïse représente Christ. Le cèpe peut représenter aussi la croix sur laquelle le sang a coulé. Quand il met le bâton dans l'eau, l'eau est envahie par le sang de Christ qui soumet les forteresses du Nil. Maintenant, Lorsque vous regardez, lorsque vous regardez en ce qui concerne la délivrance d'Israël, pourquoi Israël ne pouvait pas fuir de l'Égypte Je vous pose la question simplement. Pourquoi Israël ne pouvait-il pas fuir de l'Égypte, même si Pharaon leur disait partez C'était à cause de la mer rouge. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'était les eaux. Ce qui maintenait Israël en captivité dans l'Égypte, c'était la mer Rouge, c'était les eaux. C'était à cause des eaux-là qui ne pouvaient pas sortir, n'avaient pas les moyens de, de traverser la mer Rouge. Mais lorsque Moïse, par sa naissance, a pris contrôle sur les principautés des eaux et par l'action du sang de Christ a envahi la mer Rouge, c'était fini. C'était fini. C'est pour cela que lorsqu'il arrive devant la mer, la mère reconnaît celui qui l'avait dominé. Les principautés se dégagent. Elles font passage. Et puis, Moïse traverse à sec avec le peuple. S'il n'avait pas dominé et vaincu au préalable, dans les batailles de son enfance, dès qu'il était encore bébé, il était déjà un guerrier. Il a vaincu les crocodiles du Nil qui représentaient les divinités du Nil. Il les a vaincus. Il a remporté la victoire. Et après, avec le bâton et le sang, il a encore remporté la victoire. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole du témoignage et par le sang de l'agneau. C'est ce que le livre d'Apocalypse dit. Donc, il a vaincu par le bâton du témoignage et par le sang de l'agneau. Les puissances des eaux ont été bannies. Et voilà pourquoi, quand ces puissances verront le peuple en train de partir, cette fois-ci, les eaux seront obligées de se diviser. Vous avez déjà vu ça où Vous n'avez jamais vu ça. Ça veut dire que les eaux, là, il y avait des êtres vivants dedans. Il y avait des êtres vivants dedans. Comment l'eau, comment une mer peut faire la route et ça fait des murailles à gauche et à droite parce que la mer voit un peuple venir. Non. Ça dit qu'il y avait quelque chose dedans. Il y avait des choses dedans qui agissaient et qui maintenaient le peuple dans la captivité. Et voilà pourquoi ce sont les mêmes eaux qui vont détruire l'armée égyptienne. Pharaon et son armée seront engloutis par leur propre Dieu. Leurs dieux tourneront, se tourneront contre eux. Je prie au nom souverain de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance et les dieux de tes ennemis tournent contre eux-mêmes dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Donc, ce Moïse a souffert. Il y a des choses que j'ai vécues avant même que le Seigneur ne m'appellât. À l'époque, je me souviens, j'étais à Garoua. Dans les années, je suis peut-être trois ans avant que je ne donne ma vie à Jésus, 91. J'étais là-bas. Et quand, quand je suis arrivé à Garo à cette époque, mon père était encore vivant. J'avais une de mes tantes. Et je vais pas donner son nom ici. Donc mon papa lui donnait de l'argent pour me nourrir. Mais ma tante m'a rendu la vie tellement difficile. C'était tellement compliqué pour moi. Ma vie était tellement. Elle prenait l'argent qu'on lui donnait pour ma ration, pour acheter de ses vêtements avec se changer de chaussures avec. Et je me souviens qu'un jour j'ai vu mon père. Je lui ai dit, papa, vraiment, l'argent que tu me donnes là, ma tante ne me fait pas manger avec, je souffre, je meurs. Mon père, il m'a presque insulté. Il m'a insulté, il m'a dit que tu accuses ma petite soeur chez moi. Hein? Parce qu'il a appelé ma tante. Ma tante m'a chargé là-bas, devant moi. Elle a parlé, parlé, que je mens et tout. Mon père s'est beaucoup fâché contre moi, il m'a dit de sortir. Et après, il m'appelle à côté, elle me dit je veux te montrer, tu penses que tu peux me séparer de mon grand frère Tu ne peux pas, tu n'es pas né. Je veux te montrer. Et elle m'a encore fait souffrir. Dans cette période, je souffrais tellement qu'il y a des chansons, mais que je chantais déjà à cette époque-là, à cause de la souffrance. J'allais toujours derrière la barrière et je pleurais. Je pleurais ma mère, je pleurais ma vie. Je pleurais à chaudes larmes. Je vivais comme un orphelin, ayant mon père et ma mère, tous vivants. C'était tellement compliqué pour moi que à cette époque-là, j'ai failli me donner la mort. Parce que je disais que s'il faut vivre comme ça, avec mes deux parents vivants, pour souffrir comme je souffre. Non, c'est mieux que je meure. Et je me souviens que j'étais en train de pleurer derrière euh, la muraille un jour et une idée m'a passé l'esprit. M'est venue à l'esprit et je suis allé vers le camion transportait les camions qui transportaient les oignons, Yaoundé. Et j'ai demandé, j'ai demandé au chauffeur, à l'un et à l'autre, s'il vous plaît, si vous connaissez une femme à Tibati qu'on appelle comme ça, c'était Tibati ou Banyo, je ne sais plus trop. Donc parlant de ma mère. Parce que je voulais que ma mère vienne me chercher. Et j'avais écrit une lettre pour dire à ma mère toutes les souffrances qu'on me faisait endurer dans la maison paternelle. Et, et à l'époque, dans la maison, dans notre maison paternelle à Garoua, la maison familiale à Garoua, c'est-à-dire qu'il y avait les oncles, les frères de mon père, ses frères. Chacun, c'est une grande maison. De chacun épousait sa femme et habitait, il avait sa maison, sa maison, sa maison, maison c'est un grand camp. Et chacun quand il préparait sa nourriture. Chacun mangeait avec ses enfants, il appelait ses enfants, dans sa maison, il ferme la porte. Tu sens seulement l'odeur de la viande frite, l'odeur du bon couscous, du tasba, du gourou, du lalo, du boko. on hum. monde ne t'appelle pas. Et comme moi, je n'avais personne. Donc, chacun appelait ses enfants, j'étais seul. Je n'avais pas à manger. J'étais obligé d'aller fouiller les poubelles à Garoua. C'est ça la vérité que les gens, peut-être, ne connaissent pas. À Garoua, j'allais dans les poubelles, je fouillais les poubelles pour trouver à manger. Les restes de nourriture, là, je mangeais ça. J'avais mon père, j'avais ma mère. J'habitais avec mes tantes, j'habitais avec mes oncles. Personne ne prenait soin de moi. Chacun prenait soin de ses enfants, chacun prenait soin de ses enfants dans sa maison. Et les gens s'enfermaient, comme je vous dis littéralement, c'est la vérité. Et donc, je me retrouvais à la rue. Je suis devenu l'enfant de la rue à cette époque de ma vie. Je suis devenu l'enfant de la rue. Donc, je marchais dans les rues de Garoua, parfois on allait. Dans les caniveaux là, on prend les mains, tu prends les mains, tu attaches la corde là, on jette sur les caniveaux, là, dans les caniveaux là et on pouvait attraper 50 francs parfois on avait la chance d'avoir une pièce de 500 francs et ça te permettait de vivre pendant deux ou trois jours. Donc j'allais dans les poubelles et je fouillais parfois je trouvais des, des morceaux d'avocat, des morceaux de pain et puis je mangeais cela et euh, parfois on allait dans les restaurants aussi pour manger les restes de nourriture que les gens laissaient. qu'ils aient la tuberculose ou bien l'hépatite B vraiment on ne pouvait pas. Regardez, c'était mieux d'attraper la tuberculose ou l'hépatite B que de mourir de faim. Et donc, on, on allait, on s'assoit, on voit un grand manger. Pendant qu'il est de manger, nous sommes en train de prier. Seigneur, fais en sorte qu'il laisse un reste. Seigneur, fais en sorte qu'il laisse un reste. Tu pries que Dieu fasse en sorte que le gars ne mange pas tout. Et quand il laissait, on s'approchait, on retirait et on mangeait. On mangeait le reste. Je me souviens qu'il y avait un restaurant qu'on appelait le salam, El Salam, à Garoua, là-bas, Tati à kilomètre 5. Je suis entré, il y a un monsieur qui a commandé un très gros plat de riz, truffé d'obstacles, de persécutions dedans, beaucoup d'ennuis dedans, des viandes à gauche, à droite, des os, mangeables, vous voyez, donc un gros plat, et il a juste grignoté. C'est pour cela que, bien aimé, lorsque tu es en route, tu vois un enfant qui te tend la main, qui te dit j'ai faim, c'est mieux de s'arrêter pour bien écouter le j'ai faim là. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens vivent parfois. La nourriture que tu jettes à la maison chez toi là, quelqu'un est en train de mourir de prière de jeûne juste pour que cette nourriture-là, il puisse l'avoir. C'est cela que c'est un crime lorsque vous avez à manger à la maison, vous préparez, vous versez la nourriture dans la poubelle. Pour moi, je dis que c'est un crime. Je vous dis la vérité. C'est un, un grand crime. Il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui en ont besoin. Si tu as beaucoup de nourriture, partage à ceux qui n'en ont pas dans ton voisinage. Il y a des gens qui cherchent la nourriture préparée, non pas ça. Donc, je suis arrivé dans ce restaurant, le salam, et il y a un grand qui a commandé un gros plat, on lui a bien servi du bon riz. Vous voyez, le, le riz à l'époque, là, pour nous, manger le riz, c'était seulement pendant les fêtes. Et même pendant les fêtes, là, quand tu mangeais le riz, et après, tu disais à tes amis qu'on a mangé le riz, ils te disaient que c'est pas vrai. Et donc, ça fait que désormais, lorsqu'on mangeait le riz, là, tu vois, le riz, là, à la sauce, tu prenais un peu, tu mets dans ta poche. Pour les tomates, pour ceux qui doutent. Et quand tu disais j'ai mangé le riz hier, on dit que non, ce n'est pas vrai. Mais dans une semaine, tu, tu mets la main dans la peau, tu sors comme ça, tu montes. Donc, quand le monsieur a mangé, il a juste grignoté un peu son riz et il est parti. Je me suis donc approché de, du servant. Je lui ai demandé que grand pardon, est-ce que je peux manger le reste de riz là Le gars, il ne m'a pas répondu. Quand je se retourne, il m'a donné une gifle qui m'a fait voir les étoiles. BAM je suis sorti de là en courant. Donc, il a préféré verser ce riz-là à la poubelle que de donner ça à un enfant qui manquait à manger. Donc, ça fait que parfois j'étais obligé d'aller au marché. Je vois un commerçant, je lui dis que, pardon, comme tu as des avocats, est-ce que je peux vendre tes avocats et tu me trouves l'argent Et le gars me dit que okay, tu as 150 francs. Prends ces avocats, va vendre, tu auras 150 francs dedans. Et quand j'avais mes 150 francs, ça faisait que j'achetais le pain et puis le chai, le thé. Et je bois, et je vais, je vends, je ramène le reste là à ce gars au marché. Donc, on a vécu comme ça pendant de longues années de ma vie. Et quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, c'était encore plus compliqué. Et à ce moment-là, je me dis, mais le Seigneur m'a donné de grandes promesses. Comment? Ma vie devait être bien aujourd'hui. On a dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, tout devient rose pour toi. Mais au contraire, pour moi, c'est un peu comme si l'acceptation de Jésus Christ avait plutôt enclenché en moi un cataclysme. Comme si toutes les malédictions, comme si tous les dieux étaient tombés sur ma tête. Je vous dis la vérité. C'était compliqué. Bien aimé, c'était compliqué. Je me souviens en Gaondal, à l'époque. <laughs> et vraiment. S'il fallait mourir, s'il fallait mourir de maladie, je serais mort. Parce que j'étais malade en Gaondal. Personne n'a dit que j'enlève 5 francs pour donner à l'enfant. En dehors de maman Marie, la maman. Euh, que j'ai présenté lors de mon dernier voyage sur Bertois, qui venait de Naundal. C'est la seule femme avec sa famille qui préparait à manger et à, elle apportait à manger et elle me donnait. Lorsque la femme de mon pasteur a découvert qu'il m'apportait à manger, elle a dit à son mari que je vais raconter aux gens qu'elle est méchante et c'est ça qu'on apporte à manger. Pourtant, j'ai vécu avec elle. Elle m'avait dit, je vais te montrer que je suis le diable. Elle m'a dit ça, à la femme de mon père spirituel, je vais te montrer que je suis le diable. Je vivais dans la même maison. Je travaillais. Elle préparait. Et elle ne me donnait pas. Elle ne me donnait pas. Elle ne me donnait pas. Et je suis tombé malade là-bas. Tombé malade, frère. Je vomissais le sang. J'ai eu une infection pulmonaire grave. Jusqu'à aujourd'hui, j'en souffre. Des séquelles. Plus l'infection. Mais les séquelles sont restées quand même. J'étais malade. Je crachais le sang. J'ai <laughs> C'est le sang qui sort. J'habitais dans la maison de mon père spirituel. Comme lui n'était pas tout souvent là, il allait toujours en mission avec sa femme. J'étais malade, mourant. Dieu me témoigne. Dieu sait que je ne mens point. Et l'Esprit de Christ me rend témoignage. Elle n'est jamais venue dans ma chambre pour demander que Ferdinand, j'étais entendu pleurer toute la nuit. Comment tu vas Dieu me témoigne. Au contraire, en crachant le sang, elle me demandait Elle me demandait plutôt que l'eau est finie dans le puits. Va puiser l'eau. Je quittais, je prenais les seaux d'eau. Je marchais sur près d'un kilomètre. Je puisse avec le puits d'eau. Avec le puits. C'est-à-dire le seau dans le puits. Je mets sur la tête. Je tiens dans ma main. Je ne jamais pas. Je ne l'ai jamais insulté. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Je ne lui ai jamais dit que maman, comment je suis mourant Vous ne me demandez même pas comment. Je pleurais juste. Je pleurais ma mère. Je pleurais ma mère. Je pleurais ma, je pleurais ma famille. Elle avait sa fille. Sa fille ne touchait à rien à la maison. C'est moi qui faisais tout. Donc j'allais sur plus d'un kilomètre. Je puisais de l'eau. Je mets sur ma tête. Je tiens. En gandale. je viens. sur un kilomètre. Je verse dans le puits le, le fût d'eau de 200 litres et je retourne jusqu'à remplir le fût. Je vais en crachant le sang. Je le faisais. Je ne régimbais pas. Mais mes pleurs étaient devant Dieu. Mes pleurs, c'était celui devant celui qui m'avait appelé. En fait, mon problème, c'était avec lui. Et Seigneur, regarde dans quelle situation je suis. Regarde dans quelles conditions je vis. Seigneur, regarde dans quelle situation tu m'as mise. Aide-moi, Seigneur. Sors-moi de cette situation. Donc, je passais mes nuits à pleurer. À un certain moment, vous vous demandez, je me souviens qu'à un certain moment, c'était tellement fort sur moi que j'ai fait mes affaires la nuit. Je voulais fuir. J'ai dit que si c'est ça. Être un chrétien, je préfère rentrer dans l'islam. Et Dieu m'est témoin. Je suis quelqu'un, je ne prends pas les décisions vite. Mais quand je prends aussi mes décisions, je ne reviens pas dedans. Quand je tourne une page, c'est tourné, je ne reviens pas. Donc, je voulais, j'avais eu l'intention de ramasser mes affaires et de fuir, partir, retourner à Garoua. Je vais vendre mon oiseau là-bas. Simplement. Parce que étant malade, au lieu de m'aider, les gens disaient même que ce sont mes péchés. C'est parce que les pécheurs, c'est un adultère. Et Dieu m'a dit, moi, je n'avais pas connu de femme. Je n'avais pas connu de femme. Les, les frères même à l'église qui connaissaient les femmes, eux, c'est eux qui étaient les saints. Je me souviens que jusqu'à ce que j'arrive à Yaoundé. On est arrivé à Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé. Et quittant là après mon bac, je suis venu ici dans les années 2000, 2000, 2001, pour l'université. Nous étions en Goussou là-bas. Je m'étais filmé, j'étais professeur au Colpro, au oh Colpro, c'est Colpro, Copes, Colpe, Colpes, Copes, euh, Omnisport, à Yaoundé. Un jour, je me suis filmé, j'étais à la vraie église de Dieu, Papa y a. Donc, j'étais à la vraie église de Dieu. Et je m'étais filmé avec euh, mes élèves. C'était la classe du cinquième. Et je parle devant Jésus qui m'a appelé. Il y avait un jeune élève en classe du cinquième qui m'aimait, qu'on appelait Tcho Anya Edwige Flor. Je ne peux pas oublier le nom de la fille là. Malheureusement, elle est même morte. Donc, c'était un peu comme la miss du collège. L'une des plus belles filles du collège. La fille m'aimait. Elle était follement amoureuse de moi. Et j'habitais dans la maison avec les, les fils des frères de, de feu, Papa Nessotokéa. Donc, ça veut dire que les enfants qui étaient à la mode, les enfants qui étaient les stars de la vraie église, Et quelque chose s'est passé. La jeune fille, comme la jeune fille me je lui ai dit que je ne pouvais pas, parce que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Ce sont les enfants, là, des pasteurs qui étaient vus comme des saints, ce sont eux qui viennent me voir un jour pour me dire, mais tu es bête ou quoi Toi, tu as même vu le genre de fille, là. Le genre, si on a ça une seule so so fois dans la vie, une fille comme ça vient, après ta tu le tu es bête. Tu vois telle fille, j'ai dit oui. Et ils étaient mes élèves, hein, j'étais leur professeur. Mais on avait même âge. Tu vois telle fille J'ai dit oui. Parce qu'en 2001, là, j'enseignais. Tu vois telle fille J'ai dit oui. C'est moi qui l'ai dévergée. C'est ça la vérité. L'autre me dit Tu vois l'autre là, je suis avec elle. Donc j'étais abasourdi. Que donc nous-mêmes qui nous efforçons. À craindre le nom de Dieu, c'est nous qui sommes persécutés. Ceux-mêmes qui vivent dans le péché, c'est eux qui sont vus comme des saints. Vous voyez. Donc, ces moments étaient tellement compliqués, difficiles qu'à un certain moment, je me suis dit Ah, laffaire c'est si là, vraiment, il ne vaut. C'est-à-dire que la vie même plus, euh, ne vaut même plus la peine d'être vécue. Donc, j'ai pensé à un certain moment que non, c'est mieux que je mette même faire ma vie là. La souffrance, le christianisme. Donc, la nuit là, lorsque j'ai fait mes effets. Le matin vers 5 heures, j'allais fuir, retourner à Garoua. Un sommeil léger m'a emporté et j'ai une vision. Dans la vision, le Seigneur Jésus-Christ m'apparaît. Et il me demande pourquoi tu as fait le sac. Et je lui réponds que je veux partir. Il me dit non. Ne pars pas, reste. Il y a des choses que je veux que tu accomplisses pour moi lorsque le temps sera accompli. Et Dieu m'a dit ceci. Regarde à ce qui est bien. Retiens ce qui est bien et rejette ce qui est mauvais. Mais ne pars pas. Reste. Il y a une mission que j'ai pour toi dans mon église. Voilà la chose qui m'a sauvé. Je vous dis la vérité devant Jésus Christ. Et je suis resté. Et aujourd'hui, je comprends. Il y a des choses que vous allez vivre. Il y a des situations par lesquelles vous allez traverser. Mais parce que vous ne voyez pas le devant. Vous pouvez penser que Dieu vous a abandonné. C'est normal. C'est un sentiment humain. C'est un sentiment humain, c'est normal. Si vous n'avez pas encore douté de Dieu, n'avez pas encore douté de la voix que j'avais entendue là, c'est que Dieu ne vous a pas encore amené très loin. Non, non, dans le chemin de la préparation. Tout ce que Dieu a préparé dans le secret, vous diront qu'à un certain moment, ils ont un peu réfléchi encore deux fois, ils se sont demandés que est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que j'avais entendue? Pourquoi? Parce que il faut que Dieu te dénue complètement, il te déshabille complètement pour t'habiller. Pour que personne ne tire gloire de ton élévation. Pour que personne ne vienne dire que c'est moi qui avais fait ceci. C'est moi, c'est grâce à moi que, c'est grâce à moi que sans moi tu n'aurais pas. Ou si je n'étais pas là, tu n'aurais pas. Non, Dieu te coupe de tout le monde. Dieu te sépare de tous tes soutiens. Dieu crée parfois des problèmes avec tous ceux qui étaient ton soutien, qui étaient le socle sur lequel tu étais fondé, tes espoirs étaient fondés. Et donc, lorsque Dieu fait ça, et que tu te retrouves tout seul, c'est là que Dieu commence à te bâtir. Il commence à t'élever. En sorte que demain, personne ne peut tirer gloire de ta gloire. C'est cela que j'ai l'habitude de dire que personne ne peut aujourd'hui venir se tenir devant moi pour dire que non. Aujourd'hui, le prophète Ferdinand, quand il souffrait, c'est moi qui l'ai aidé, je l'ai aidé en telle chose. Non, personne ne peut le faire. Parce que le Seigneur m'a... Il a fait en sorte que tout le monde m'a Tout le monde m'a rejeté. Les gens me regardaient à distance. Aujourd'hui... Aujourd'hui, aujourd'hui, quand vous dites que moi je passais, tu passes presque un an de ta vie sans manger la nourriture préparée, les gens m'ont dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est vrai. Il m'est arrivé parfois de passer dans un quartier, je sens l'odeur de la nourriture préparée, je m'arrête pour humer juste l'odeur du riz parfumé. Juste humer, humer l'odeur. À Yaoundé, ici, quand je suis arrivé, bon, ça va, je pense que ça va. Écoutez, tout ce que je veux vous dire, c'est quoi Avec Dieu, n'abandonnez pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répandre. Ce que Dieu promet, il a la capacité aussi de l'accomplir. Moi, je peux te promettre quelque chose et après, ça me dépasse. Et vous devez savoir, Dieu connaît le meilleur temps pour vous. Il y a des événements que vous allez traverser dans votre vie jusqu'à penser que vous allez mourir. Moi, si on me disait que j'allais vivre jusqu'à cet âge, je n'aurais jamais cru. Non, je n'aurais pas cru. Parce que j'ai été malade à la mort. J'ai vu l'ange de la mort de mes yeux. Mais le Seigneur m'en a délivré. Pourquoi Parce que lorsque Dieu promet quelque chose, il a les capacités de vous mener jusqu'à l'accomplissement de votre prophétie. Donc croyez en Dieu. Prenez courage. Ne vous découragez jamais. Ne vous relâchez jamais. N'abandonnez jamais. Même si c'est du comment N'enlevez jamais vos regards sur Christ. Regardez-le de manière fixe. Comme il a dit à quelqu'un, regarde-moi fixement dans les yeux. Regarde-Christ de manière fixe. Le temps arrivera bientôt où ceux qui ont cru que tu es tombé seront dans la confusion. Ou ceux qui pensent que c'est fini pour toi seront dans la confusion. Que Dieu te fortifie. C'était juste pour te fortifier. Et n'oublie pas que la Bible dit dans Jean 19, verset 22, Apocrypte, ho Pilatos, ho Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit, je ne peux plus l'effacer. Ce qui est écrit à ton sujet a été écrit et personne ne peut l'effacer. Aucune gomme maléfique ne peut l'effacer. Rendez-vous, demain sera beau. Demain, c'est beau, c'est beau devant toi. Continue encore, encore un peu d'effort, encore quelques pas et tu arriveras et tu y parviendras et tu remporteras la victoire finale. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Shalom. Rendez-vous pour tous les habitants de Berthois tout à l'heure. Tout à l'heure, à partir de 16h. Enchaîne ST Mokolo 1. Rendez-vous tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Et demain matin, nous allons travailler ce vendredi à Yaoundé. Nous avons la nuit des flammes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Laissons-toi à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.